Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 4 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire un transporteur de butin dans plusieurs parties. Alors si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti, let's go! Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une zone chaude. Donc une zone chaude, c'est quoi? C'est les petites villes comme vous voyez, Junk Junction, elles sont écrites en jaune. Alors ça veut dire que c'est une zone chaude. Il y en a plusieurs parfois qui apparaissent. Là, il y en a deux. Parfois, il y en a qu'une. Parfois, il y en a trois. La deuxième, c'est Lucky Landing. Alors, ce que je vous conseille, c'est de... S'il y en a trois, vous sautez sur celle du milieu. S'il y en a deux, comme dans ce cas-là, vous sautez pas dans la première, mais vous sautez dans la dernière ville. Comme ça, vous avez plus de chances d'être moins dérangé par les autres joueurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau système, donc ça a apparu il y a plus ou moins 2 semaines, je pense, c'est un système de loot. En fait, c'est des petits drones comme ça qui survolent la zone. Et dans ces drones, quand vous allez le casser avec une arme, ou je ne sais pas comment vous allez le casser, mais vous le cassez avec quelque chose, eh ben, vous allez avoir des armes qui vont apparaître. Donc, des armes vont tomber. Alors là, on peut déjà apercevoir, franchement, il y en a vraiment pas mal. Hein. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois déjà 6, rien qu'en un seul coup d'œil. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs volants, là, comme il y a en dessous de moi. Je vais regarder si je peux me poser dessus. Ah ouais, je peux carrément me poser dessus. Donc, voilà, vous cassez le truc. Et après, ça vous donne une arme, vous voyez. Donc là, je vais chercher après une autre arme et je vais vous montrer que ça vous donne des armes. Parfois, ça peut même vous donner des armes légendaires et tout. C'est assez stylé. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont pris sur Apex Legends. Enfin, je sais pas s'ils l'ont pris ou pas. Mais en tous les cas, il y avait ça sur Apex Legends. Mais il y en avait, c'était genre voir un loot. Hein. Il y en avait pas deux. Là, il y en a vraiment blindé. Donc là, vous tirez dessus comme ceci. Donc bien souvent, il faut 2 balles. Je pense qu'avec un gros sniper, ce sera 1 balle. Donc là, il me donne une Gatling. Hop, je continue, boum. Et ça, vous allez devoir le faire dans 3 parties différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il me donne que des grosses armes. Tu peux pas me donner une petite mitraillette ou quoi, là? Pour voir. Alors, voyons voir. Voilà, ils m'ont donné une sorte de FAMAS. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle, ça. Un fusil d'infanterie, voilà, c'est ça. Donc, voilà, hein, vous avez capté les bails. Vous faites ça dans 3 parties différentes. Et en plus de ça, ce qui est bien avec ce défi, c'est que ceux qui ne connaissent pas ce genre de loot... Et bien maintenant ils peuvent connaître, regardez, ça m'a donné un pompe lourd légendaire et encore une Gatling. Donc ce qui est bien c'est que ben, les gens qui connaissaient pas ce système, ben, maintenant ils vont le connaître grâce à ce défi. Et franchement c'est assez utile hein, parce que vous avez vu, on peut avoir du sale loot. Hein. Par contre, je l'ai jamais vu qui donnait de la vie, je pense qu'il ne donne que des armes. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur aussi dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace.